Bonjour, bonjour. Alors bien, voici venu le temps du second Vlogmas. Alors je dois vous avouer que j'ai pas vraiment filmé ces 3 derniers jours, puisque j'avais un ami à la maison et tout, puis après il est arrivé un autre truc, donc j'avais pas, enfin j'ai pas réussi à filmer. Voilà. Donc je vais vous montrer après. Vous en parler tout, une petite séquence où je vous montrerai le village de Noël que mon homme a fait, que je vous avais pas montré dans le premier Vlogmas, parce qu'il n'était pas encore fait, mais là, ça y est, il est fait. Et puis, sinon, mis à part ça, quel sera le thème de ce Vlogmas? Et tout simplement, mon top 10 de lecture 2021. Donc, les livres qui m'ont le plus marqué en 2021. Bon, certes, l'année n'est pas encore terminée, donc il y aura peut-être encore d'autres choses, mais je me dis que c'est pas mal de vous faire un top 10. Alors, il y en a trois, juste trois que je n'ai pas en papier, qu'il faudrait que je me procure à un moment ou un autre. Donc, on va commencer par le premier qui est une très grande révélation pour moi. Donc, je vous mets la petite couverture ici. Il s'agit du Troubadour titubant de Sina Landchild. Aux éditions Reine de Cœur. Alors, il s'agit d'un FF. Je dois vous avouer que je ne lis pas beaucoup de FF. Enfin, non, j'en ai. Avant celui-là, j'en avais lu qu'un. Donc voilà, et qui n'avait pas été transcendant. Mais là, en fait, le fait est que la plume de Sina, plus l'histoire, enfin, et l'histoire qu'elle a créée, franchement, ça m'a subjugué du début à la fin. Donc, juste pour vous situer un peu l'histoire, on va se retrouver dans un monde de fantaisie et tout, avec les humains qui vivent comment dire, en lisière d'une forêt, mais il y a aussi les esprits de la forêt. Va y avoir en sous-jacent une romance FF, mais il y aura aussi un message un peu écologique et tout, qui fait prendre conscience aussi de certaines choses. Et franchement, c'est un mix qui m'a touché au cœur. Parce que j'ai dévoré l'histoire, j'étais plongé dedans, même encore là, j'y repense, puisque, comme je vous dis, c'était vraiment formidable. Je pense que je vais me l'acheter incessamment sous peu, comment dire, en format papier, pour l'avoir dans ma bibliothèque, puisque celui-là, je le veux absolument. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas l'auteur, elle est aussi écrite chez Mix Éditions, donc là, c'est de la romance elle-même. Elle a écrit Le Royaume du Bonheur et Jusqu'à l'Aube, qui sont aussi des coups de cœur. Elle a une plume, en fait, qui est vraiment top au niveau univers fantastique, fantasy et tout. Franchement, elle maîtrise le sujet. Voilà. Donc c'était mon premier coup de cœur. Alors comme vous pouvez le remarquer, je les donne pas dans l'ordre de lecture. Hein, je vous les donne comme ça, quoi, comme ça vient. En fait, tout simplement. Donc c'était pas ma première lecture non plus de l'année, mais voilà, c'est une lecture qui m'a énormément marqué. Alors pour le second, donc je vous mets la petite couverture comme d'habitude ici. Il s'agit en fait d'une romance FF de Emma Scott. Je vous ai déjà parlé de Emma Scott. C'est une auteure qui, comment dire, me fait pleurer à quasiment à chaque fois, même à chaque fois, à chacune de mes lectures. Là, donc une vie de 5 minutes. En fait, on va suivre une jeune fille qui a un problème de santé. En fait, toutes les 5 minutes, elle perd la mémoire. En fait, son cerveau reboot. Donc c'est extrêmement difficile. C'est quelque chose qui a été reconnu et tout. C'est pas quelque chose que l'auteur a inventé. C'est quand même bien documenté et tout. Il y a un aide d'infirmier, si je me trompe pas, ouais, c'est ça, qui va prendre conscience qu'en fait ça va au-delà de ça. Franchement, Emma Scott, elle a écrit des mots mais pff, magnifiques. L'histoire, elle nous touche au très fond de nous-mêmes puisqu'en fait. Si ça nous arrivait, voilà quoi. On sent la souffrance de la jeune fille l'histoire d'amour qui se crée et tout. Voilà, ça va au-delà de la maladie, puisque là, c'est vraiment une maladie. Quoique là, c'était suite à comment ça s'appelle? Un accident, l'histoire d'amour va au-delà de ça et en fait, c'est tout bonnement magnifique. C'est un livre aussi que je vais bientôt m'acheter en papier, voilà, pour aller dans la bibliothèque, parce que comme tous les Emma Scott, parce que Emma Scott a une plume contemporaine, mais on va dire, elle
nous émeut aux larmes sans pourtant exagérer dans le pathos. En fait, c'est juste et tout. Donc voilà. Donc cette romance, Une vie de 5 minutes, est disponible aux éditions Juno Publishing. Voilà. Pour le troisième roman, il s'agira d'un MM. Donc je ne l'ai pas encore en papier. J'espère en avoir un de ces quatre. Donc je vous mets la petite couverture là. Il s'agit des Garçons de Calabre de Médée MC. Alors là, en fait, c'est une romance MM qui, comment dire, qui a des aspects assez nouveaux, puisqu'en fait, on va se situer en Italie. Mais alors, par contre, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Enfin bon, c'est pas de notre époque, c'est un petit peu avant, donc à une époque où, comment dire, l'homosexualité, bah, très acceptée, etc. et tout. Et en fait, on va suivre deux meilleurs amis, comment leurs destins vont s'entrecroiser et tout. Il y en a un qui est plutôt perdu, qui fait face à des addictions, etc. Et l'auteur, en fait, a réussi à créer quelque chose qui était, comment dire, bien dans son contexte et tout. Les réactions étaient très bien faites, le personnage très bien construit. On s'identifie sans peine à eux. Il y en a un qui est un roc pour l'autre, etc. Un autre qui se cherche beaucoup. Donc voilà. Franchement, c'est une lecture qui m'a énormément touché. J'ai eu la chance de le lire en service presse et bah, je tenais à vous en parler puisque franchement, c'était vraiment très bien. J'ai lu d'autres romans de mes DMC qui m'ont autant touché. La Cité des Crânes, par exemple, qui était pas mal non plus, enfin qui était très bien. Et après, elle nous a fait une trilogie que j'ai lue aussi, Wonder Love, où là, c'est plus orienté vers les amours de vacances, on va dire. Mais ça ne se résume pas qu'à ça, voilà. Donc voilà, là c'est les trois romans que je vous ai présentés, mais que je n'ai pas encore en papier. Donc comme ça, voilà. Voilà. Donc si jamais vous voulez me faire un cadeau, n'hésitez pas. Ensuite, on va attaquer les Sauterautes que j'ai en papier, que je vais vous montrer. Voilà. Donc alors déjà le plus gros de l'année, qui est quand même une bricasse. Voilà. Il s'agit de Crescent City, la maison de la terre et du sang de Sarah Gimas, chez De Saxis Éditions. D'ailleurs, vous allez remarquer que mes coups de cœur sont sponsorisés par De Saxis. Donc, bah, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer les dessins de la couverture qui sont superbes. Et même ça. Voilà, parce que j'ai acheté l'édition reliée. Je l'ai aussi en VO papier. Mais bon, autant vous le montrer en français, hein, voilà. Donc alors là, c'est un roman qui fait 955 pages, donc c'est vraiment une brique. Je l'ai dévoré. Je crois que je l'ai lu en 24-48 heures, même pas. Il y a des moments où j'ai même pas pu le lâcher. Donc on se situe dans un univers de fantasy, mais pas fantasy médiévale, c'est de la fantasy, mais un peu, il y a un peu de technologie et tout. Là, vous allez avoir des fées. Vous allez avoir des métamorphes, vous allez avoir des anges, des démons, je crois aussi. Enfin, vous allez avoir tout un panel, toute une mythologie qui est extrêmement bien construite. On va suivre Brice, qui est une semi-fée, alors moitié humaine, moitié fée, et on va suivre ses aventures. Et franchement, ben. L'histoire, elle met un peu de temps à se mettre en place, mais en fait, j'ai pas senti les 955 pages, tellement j'étais embarqué dedans. Ben, je dois vous avouer que je crois même que je l'ai fini, il devait être 2-3 heures du matin, tellement je pouvais pas le lâcher, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sans trop vous révéler l'histoire. Il va y avoir une histoire d'amour aussi. Il y a un moment où vous allez dire non, 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 pas comme. Ça peut pas se passer comme ça, etc. et tout. Enfin, vous avez un peu la rage, etc. Puis après, on voit d'autres choses. En plus, on voit les rivalités entre les différentes races. Franchement, l'auteur, elle a fait un énorme boulot en construisant cet univers et elle n'a rien laissé au hasard. C'est-à-dire qu'on n'a absolument aucun manque. Tout était expliqué en temps et en heure. Franchement, c'est tellement riche. Le second tome sort en VO. Janvier, je crois, fin janvier, un truc comme ça. Donc, je vais essayer de le lire, même si la VO pour le lire en anglais, c'est un peu compliqué. Mais bon, je pense que De Saxus nous fera pas attendre très très longtemps pour le lire, quoi.
Sinon, ben voilà. Il y a beaucoup de suspense aussi, puisqu'en fait, il y a une enquête. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a une enquête qui va se faire tout au fur et à mesure, et ça va permettre de dévoiler certains pans de l'histoire, certains pans au niveau de certains personnages. Franchement, bah, voilà, c'est très bien. Donc, Crescent City. Ensuite, bah, on va rester dans le même auteur, hein, tout simplement. Alors, il s'agit d'un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Donc, c'est le premier tome de À Cotard. J'ai mis extrêmement longtemps à le lire, mais en fait, bah, je regrette d'avoir mis autant de temps à le lire, parce que franchement, c'est top. Là, c'est la version reliée que j'ai. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète le second en relié. Je vais attendre d'avoir les autres comment ça s'appelle? En relié aussi, puisque pour l'instant, avec le premier tome et le deuxième tome qui sont sortis en relié. Alors, je vous parle du premier tome, parce que c'est le tome d'ouverture de la saga. Là, on se situe dans un univers de fantasy avec des fées et des humains. Voilà. Donc, avec les différentes cours, on va suivre Fer, qui est une humaine qui va basculer dans le monde des... Enfin, qui va aller dans le monde des fées. Il va lui arriver plein de choses. Va y avoir énormément d'actions, etc. et tout. Moi, vous le savez déjà, dès que ça parle de fées, je lis. Et là, je regrette d'avoir mis autant de temps à le lire. Voilà. Le tome 2 est encore meilleur aussi, mais comme je ne l'ai pas en papier, bah, puis je voulais me concentrer quand même sur le premier tome, puisque c'est le tome de du début de saga. Comment dire, va y avoir des jeux de pouvoir, va y avoir une espèce de libération du peuple fée. Enfin, bon, franchement, Fer va être, elle va pas être l'humaine lambda. Non pas qu'à la base, enfin à la base c'est une humaine lambda, mais ses actions et ses actes vont faire que elle va avoir un énorme impact sur l'histoire. Enfin, c'est même plus qu'un énorme impact. Bah, c'est un roman que je recommande, franchement, À Cotard. Donc là, je suis en train de lire le tome 3.1 ou 3.5, je ne sais pas. Et c'est toujours aussi bien. J'avoue que j'ai du mal à lâcher ces personnages-là. Après, il me restera le tome 4 à lire. Par contre, je pense qu'il va en faire un... va y avoir un cinquième tome, je pense. Faudra que je me renseigne. Je dois vous avouer que je n'ai pas regardé. Parce que j'évite de trop regarder pour éviter de me spoiler. Parce que je déteste me faire spoiler. Donc, j'ai déjà vu des... comment ça s'appelle? Des images, mais ça va, ça n'a pas prêté à confusion. Donc, je ne lis pas les quatrièmes de couverture non plus, pour éviter de savoir ce qui va se passer. Donc, bon, bah, voilà. Donc, un de mes coups de cœur de cette année, Un palais d'épines et de roses. Alors, on va passer à encore bah, du deux Saxus, tiens, et du MM, avec La maison au milieu de la mer Cérulienne. Donc là, je l'ai aussi en relié de chez deux Saxus, avec la belle couverture originale. Voilà. Donc là, c'est TJ Clune, on ne le présente plus. Ah oui, derrière, c'est super aussi. On ne présente plus. Donc là, en fait, on va suivre comment dire, quelqu'un qui travaille pour le ministère de je ne sais plus quoi. Le mystère de la jeunesse magique. Voilà, le mystère de la jeunesse magique qui va comment dire, aller dans un orphelinat un peu spécial. C'est un orphelinat où, en fait, il y a des enfants, mais qui ont des pouvoirs magiques. Voilà. Et il doit déterminer si l'orphelinat doit rester ouvert ou présente un danger, etc. Donc en fait, on va suivre Linus, qui est un personnage extrêmement simple, moyen, qui a du cœur à l'ouvrage et tout, qui n'a pas un fond de méchanceté absolument aucun. Il travaille toujours dans l'intérêt des enfants. Et donc il va arriver sur ce... comment ça s'appelle? Sur cette île où il y a cet orphelinat un peu spécial, avec des pensionnaires très spéciaux. Ils ont chacun une particularité. Donc, bah, je ne vous en dis pas trop, parce que je préfère que vous le découvriez. Et il y aura le directeur du pensionnat, Arthur. Donc, alors, je classe ça dans du MM, mais en fait, c'est très, très en filigrane, parce qu'il y a beaucoup, il y a un énorme message à travers ce roman. Et la romance MM passe vraiment en troisième, un truc comme ça. Elle existe.
Vous attendez pas des stents torrides, etc. et tout, parce que là, ça peut être lu par des ados, il n'y a pas de souci. C'est pas le fond de l'histoire, c'est pas du MM hot, etc. C'est franchement quelque chose de magique. Ne serait-ce que dans l'écriture, le fait de leur raconter, la romance, comment elle va se nouer, et surtout le principal atout, ce sont les enfants, leurs personnages. Ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent devenir, ce qu'ils représentent aussi. Et franchement, bah, j'ai vraiment adoré ce bouquin du début jusqu'à la fin. Je suis en train de remarquer que j'ai des méga cernes. Ouh, je suis fatigué, moi, en ce moment. Je disais autre chose. Enfin, bref. Et donc, c'est un roman que je vous recommande très, 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 très chaudement. Voilà. Alors, je sais pas s'il a... il existe aussi en brochet. Moi, comme vous savez, j'adore les reliés, donc bah, je les prends en relié et j'ai pas du tout regretté. Voilà. Et De Saxus nous fait vraiment des superbes éditions. Alors, on va aller. Bah, tiens, j'ai mis un MM, donc chez Mixte Édition. Il s'agit de Cœur écarlate de Garance de Jornat. La couverture est vraiment superbe. Bon, derrière, c'est pour... Voilà. Là, en fait, on va suivre Kerian et William. Donc, le thème majeur de ce roman, c'est le harcèlement. Comment les personnages réagissent par rapport à ça, comment ils vont évoluer, etc. et tout. Il y aura un sous-thème qui est l'addiction aussi. Et franchement, l'auteur a fait un travail monstre au niveau de la psychologie des personnages. Elle n'a pas versé à fond dans le pathos, elle a explicité ses thèmes assez durs, sans pour autant comment dire, nous arracher totalement le cœur, même s'il est un peu arraché par certains moments. Mais c'est quelque chose qui est bien construit. L'histoire aussi est très réelle. Et ça force à réfléchir, voilà, sur le harcèlement, etc. et tout. Franchement, je ne connaissais pas l'auteur. J'ai eu la chance de le lire en service presse et j'ai commandé le roman avant même, je crois que je l'ai lu. Mais je regrette pas parce que c'est un énorme, énorme coup de cœur. C'est le premier roman de Garance de Jornat qui sort et c'est pas le dernier que je vais lire. Donc, comment dire? Ah oui, puis c'est une romance MM aussi. Donc, je vous laisse découvrir les protagonistes et tout, mais ça va pas être de tout repos. Parce qu'il y a un passif, il y a un énorme passif, et donc ça va vraiment pas être de tout repos. Mis à part ça, le problème c'est que je peux pas trop vous dévoiler l'histoire. Il y a des moments où mon cœur s'est vraiment serré, serré par rapport à ce que les personnages vont vivre ou ont vécu. C'est pas un roman qui vous laissera indifférent, loin de là. Il vous laissera pas du tout indifférent. Ça, bah, c'est tellement prenant que voilà. Donc bon, bah, je vais arrêter de dire toujours la même chose d'ailleurs. Enfin bref, il est top. Je recommande. Alors, bah, on va retourner chez De Saxus. Là. Il s'agit de Le sang et la cendre, donc c'est le premier tome de From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout chez De Saxus Éditions. Donc là, vous voyez, j'ai toujours la version reliée. Hop. Donc là, en fait, on va suivre Poppy. Voilà. Qui est la... Là, on est dans un univers de fantasy, hein. Donc avec il y a des pouvoirs, etc. et tout. Et Poppy, c'est la pucelle du royaume. Elle doit accomplir une tâche pour, on va dire, la noblesse du royaume, ce qu'ils appellent les élevés, qui sont plus qu'humains, puisque on va dire qu'ils sont limite immortels. Et en fait, elle est c'est pas quelqu'un qui se conforme elle essaie de se conformer, même si quand elle le fait, quand elle ne se conforme pas aux attentes, bah, elle en subit les foudres. Voilà. Et il va y avoir quelque chose qui va, au niveau de l'histoire, on va en apprendre plus. Il y a quelque chose qui va arriver.
je vous dis pas quoi. Et donc, on va en apprendre beaucoup plus sur le monde et pas seulement ce qu'on pensait au départ. Voilà. On va vraiment apprendre tous les tenants et aboutissements et surtout savoir qu'il y avait des mensonges par rapport à ce que les nobles racontaient, etc. et tout. Et franchement, c'est vraiment pas mal. C'est très, très, très addictif. C'est Solène de Livrement Addict qui en parlait, etc. C'est quelque chose que je l'ai dévoré en 24 heures, tout simplement. J'ai pas pu le lâcher. Et pourtant, c'est une bonne brique, hein, ce que je suis en train de me dire. Ouais, 665 pages, en fait, comme vous voyez. C'est quand même une bonne brique. Bah maintenant, j'ai hâte de lire la suite, puisque les aventures de Poppy et de Hank, c'est ça? Ouais, je crois que c'est Hank, on est comme ça. Ouais, bref. Bah, il me faut la suite. Hein. Donc, de Sassus, faut pas tarder à sortir la suite. Qu'est-ce que je voulais pourrais vous dire d'autre sur Poppy? Poppy, c'est quelqu'un aussi qui a le sens du devoir, mais qui se sent qui n'est pas libre du tout. Voilà. Elle est loin d'être libre, on attend quelque chose d'elle, quelque chose qu'elle n'est peut-être pas forcément prête à donner, tellement en fait on attend de l'abnégation d'elle, mais c'est pas dans son caractère. Elle essaye de faire ce qu'il faut, tout en essayant de rester fidèle à elle-même. Donc c'est vraiment extrêmement dur, parce que, bah, comme je vous disais, des fois, elle en porte les conséquences. Enfin, elle en assume les conséquences. Sa vie n'est pas simple, contrairement à ce que tout le monde dans le royaume pourrait penser, puisque c'est la pucelle, etc. et tout. Donc, normalement, elle devrait avoir une vie dorée, mais c'est loin d'être le cas, en fait. On s'aperçoit vite que, entre le paraître et ce qui se passe réellement, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, elle a un destin qui devait l'amener à faire quelque chose, mais qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Parce que des fois, les destins tout tracés, malheureusement, on s'en écarte, hein, parce qu'il se passe des choses, il y a des révélations, on apprend d'autres choses, puis voilà. Donc, c'est bien parce que j'arrive à rester vague sans vous révéler l'histoire. Ça, c'est bien. Mais toujours est-il que si vous ne connaissez pas, vous le lisez. Alors, bah encore un de Saxus, pour changer. Apparemment, ils sponsorisent mes coups de cœur de cette année. Donc là, il s'agit de Serpent and Dove de Shelby Mahurin, donc avec une très belle édition aussi, hein, comme d'hab. Donc là, en fait, on va se situer dans un univers aussi de fantasy, avec des sorcières cette fois-ci. Des sorcières et des. Bah, des chasseurs de sorcières d'ailleurs. Mais comment dire, on va suivre Lou. Lou, elle se cache de quelque chose. On ne sait pas exactement quoi au départ. On va le savoir au fur et à mesure. On va savoir ce que ça a un impact sur la vie, enfin sur l'univers que l'auteur a créé. Il va y avoir en fait quelque chose avec un chasseur de sorcières, puisque Lou c'est une sorcière, donc il va y avoir quelque chose avec un chasseur de sorcières. Red, voilà. L'auteur arrive à bien maîtriser tout ce qui est révélation et tout. On va dire que énormément d'actions arrivent vers la fin. Mais au départ, en fait, on pose un peu la romance qui va se mettre en place, etc. et tout, la manière dont les personnages vont s'apprivoiser, même si Lou est extrêmement rétive, elle est extrêmement indépendante, elle pense à sa sécurité, etc. et tout. Sauf qu'en fait, il y a un petit truc qui va se nouer entre elle et Red au fur et à mesure, mais il y a les révélations qui vont impacter ce truc, et chacun devra faire un choix. Voilà. Parce que c'est une histoire de choix. Donc là, en fait, je ne connaissais pas cette série. Je l'ai lue, je ne sais pas. Parce qu'en fait, la couverture, franchement, la couverture, vous admettrez qu'elle est quand même hyper belle. Donc la couverture, déjà, m'a attiré. Comme d'hab, je n'avais pas lu la quatrième de couverture. Après, on m'a dit que c'était des sorcières. J'ai dit, oh, super. Donc bon, bah, je me suis dit, on va lire ça.
La traduction était vraiment pas mal. Il y a dû y avoir un ou deux trucs qui étaient un peu bizarres, mais franchement, la traduction était pas mal comparée à d'autres romans de Saxus que j'ai pas adhéré. Bah, par exemple, Les Saisons de la Tempête, je dois vous avouer que j'ai commencé à lire. Je ne ressens rien à la lecture, donc je pense que je vais le vendre. Je vais le mettre sur mon Vinted, celui-là, parce que je ne vais pas le garder, parce que j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Donc bon. Là, par contre, à contrario, Serpent and Dove, oui, non, ça, tu rentres dans l'histoire facile, quoi. Maintenant, on attend la suite, parce que avec tout ce qui s'est passé, les rebondissements qui s'est passé à la fin, les héros vont aller ailleurs. On va découvrir une autre facette de l'univers. Et donc ça, j'ai hâte. La fin, comment dire, c'est pas un énorme cliffhanger. On ressent un manque, mais ça ne dit pas, non, mais il faut absolument que je lise la fin. Enfin, il faut que je lise la suite, parce que voilà. Non, ça s'arrête, voilà. Mais ça appelle une suite, mais c'est pas non plus irrémédiable, quoi. C'est pas comme, bon, quoique Le Sang et la Cendre, c'était un peu pareil, celui-là. Il y avait une fin qui avait le mérite de faire la fin d'une époque, un truc comme ça. Et on va découvrir autre chose de l'univers aussi, c'est pareil. Donc ça va, c'est pas des fins monstrueuses, voilà. C'est pas. Donc, si vous avez peur, en fait, de vous dire qu'à la fin, vous allez être tellement frustré qu'il va falloir attendre la suite, vous pouvez le lire, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, il y a Red, il y a Lou, il y a ses acolytes aussi, à Lou. C'est des personnages auxquels on peut s'identifier. L'amour entre. Enfin, l'amour qui va y avoir. Parce qu'en fait, que je me rends compte, c'est que ce que je vous présente en fantasy, c'est plutôt de la romantasy. Parce qu'en fait, il y a toujours une histoire d'amour et tout. C'est pas que de la fantasy pure et simple où il y a une quête, il y a un chevalier, il doit sauver le monde, etc. Et tout. Non, c'est plutôt de la romantasy parce qu'il y a de la romance dedans. Et c'est ce que je préfère. Donc, plus que dans Crescent City, dans Un palais de colère, enfin, d'épinay de rose, dans Le Sang et la Cendre et dans Serpent and Dove, il y a de la romance. Voilà. Et c'est ça que j'apprécie énormément. Voilà. Donc, bon, bah, c'est un de mes coups de cœur. Voilà. Je n'ai pas trop parlé, mais bon, je me dis que c'était pas mal. Et enfin, le dernier, que j'ai eu de la chance d'avoir dans l'édition Grimoire. Donc, il s'agit de Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. Donc là, je vous montre la couverture qui est hyper belle. Donc là, c'est l'édition française chez Big Bang, enfin Bragelonne, quoi. Ils appellent ça l'édition Grimoire. Donc voilà. Vous voyez, il y a une espèce de truc de mat et tout. Et la couverture originale, enfin, là. Alors, c'est un roman qui m'a bluffé, voilà. Alors, je l'ai acheté parce que bah, la couverture initiale me plaisait énormément. Donc, je l'ai lu en... Je l'avais en papier, mais en version brochée, pas en édition Grimoire, parce que l'édition Grimoire, elle date du mois dernier. Par contre, je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait, parce que j'arrive pas à remettre la main dessus. Alors, peut-être que je l'ai prêté à ma sœur, peut-être pas. Enfin bon, de toute façon, j'ai l'édition Grimoire, donc c'est nickel. Et donc là, on va se retrouver dans un univers de fantasy. On va suivre Elisabeth qui vit dans une bibliothèque. Alors, il faut savoir que dans ce monde-là, les bibliothèques abritent des livres qui ont des pouvoirs, donc des livres de sorts, donc aussi bien des qui sont malins, enfin, avec des maléfices, etc. et tout. Et ces bibliothèques ont pour objectif de les contenir et d'éviter qu'ils répandent leurs maléfices sur Terre, etc. Va y avoir une grosse intrigue qui va se mettre en place. Alors, c'est un one shot. En fait, Elisabeth, il va lui arriver plein de péripéties avec. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Oh, j'ai un trou de mémoire. Avec Nathaniel, qui est un sorcier. Voilà. Parce qu'Elisabeth n'est pas une sorcière. Hein, donc, c'est censé être une humaine classique, sauf qu'elle a été élevée dans les bibliothèques. Donc, voilà. Ils vont essayer de déjouer un complot qui menace leur monde. Bah, franchement, c'est plein de rebondissements. Il y a de la romance aussi. Ça peut être lu par des ados, puisque c'est pas.
Il n'y a pas de scène gore, enfin pas gore, mais hard ou autre, quoi. C'est pas comme dans À Cotard, où là, malheureusement, La Martinière, je sais, il y a des scènes quand même qui sont un peu hot, surtout apparemment dans le tome 4. Et je trouve qu'ils ont mis ça en J-fiction, jeunesse fiction. Là, il y a eu un gros loupé hein, au niveau marketing. Parce que c'est pas nécessairement pour des ados, hein, c'est plus de la romance adulte. Enfin bref. Pour revenir à la Sorcery of Thorn, donc on va suivre leurs aventures. Il va y avoir des personnages comme comment dire, le serviteur de Nathaniel qui est marrant, etc. et tout. Enfin, franchement, l'univers est top. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Nina vous le dira, lisez-le. Voilà. Et puis, oui, j'ai oublié de vous dire, l'édition Grimoire, ils ont fait en sorte que ça fasse comme si c'était un grimoire. Donc franchement, c'est super top. Franchement, j'adore cette édition. Nina me l'a offert pour mon anniversaire et bon, j'adore, j'adore. Je suis tombé en amour là-dessus. Voilà. Donc là, je me rends compte que je vous ai parlé de mes 10 méga coups de cœur de cette année. Il y en a d'autres. Comme je vous le dis, le choix a été extrêmement difficile à faire. Parce que ben, plus j'avance dans l'âge, plus je choisis mieux mes lectures. Donc, je tombe souvent sur des coups de cœur. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu de voir mes coups de cœur. Donc, c'était le sujet de ce vlogmas, puisque comme j'ai pas passé enfin, j'ai passé un week-end, mais pas au mieux de ce que je pensais, vu certaines circonstances, bah, je me suis dit que bon, voilà, le top 10, c'était pas mal. Voilà. Donc là, je vais vous retrouver. Enfin là, on est lundi, donc je vous posterai le Vlogmas dans l'après-midi, une fois que je l'aurai monté. Et le prochain, ça sera jeudi. Donc oui, c'est ça, jeudi. Je sais toujours pas de quoi je vais vous parler jeudi, mais c'est pas grave. Vous aurez un Vlogmas et puis voilà. Bah sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et puis sur ce, bah, je vous dis bonne soirée. Enfin non, bon après-midi.